Alléluia, gloire à Jésus. Peu de Dieu, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Nous sommes actuellement sortis pour sonner la trompette. Et la particularité ici, en Guinée, surtout à Lola, est que Lola est la ville qui bénéficiera de l'évangélisation. Lola bénéficiera de l'évangélisation. Alléluia. Dans toute la Guinée, c'est à Lola nous voulons évangéliser énormément. Donc soyez connectés, soyez alertés. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. En tout cas, nous sommes heureux. Nous voulons lancer les hostilités sur Lola. Mais il faut que tu réveilles. Va maintenant brasser Lola sur le mur. Nous sommes mobilisés ce matin. Le Seigneur a libéré une partie de son année. Amen. On va y pour libérer les captifs. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur vient commencer à Lola. Amen, amen. Amen. Jésus. Les soldats, soyez fortifiés. Fortifiez-vous, nous allons gagner des âmes pour Jésus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, quand tu veux là-bas, ma Jésus-Christ là-dessous. Ceux qui m'entendent, c'est ceux qui sont en vie. Non, mais à moi, maman, qu'il y a de l'homme. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que la personne est vivante. Mais à quel moment qu'il y a de l'homme. Ça veut dire que si quelqu'un s'est réveillé ce matin, vous pouvez m'en aller de mon nom, papa. Ça veut dire que cette personne entend la voix de Dieu ce matin. Vous pouvez m'en aller de mon nom, papa. Toi qui m'entends. Je veux t'adresser cette parole. Que les temps sont finis. Aujourd'hui, les gens ont dormi. Et ont voulu se réveiller, mais ils ne sont plus réveillés. La mort est venue les chercher. Ils ne s'attendaient pas à mourir. Beaucoup de ceux qui ont dormi hier nuit. Non plus sont ceux qui ne sont pas vivants, ne peuvent plus réveiller ce matin. Mais toi, qui est vivant, tu n'es pas différent de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ne sont pas aussi méchants que toi. Tu n'es pas aussi pauvre de ceux qui sont morts. C'est la terre de Dieu qui te donne la vie. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui m'entends, est-ce que tu sais que Dieu existe? Est-ce que tu sais que Dieu existe? Dieu existe. Et le Dieu qui existe,
Le Dieu de ta famille.
demande un sacrifice. Il te demande un mouton. Tu n'arrives pas à manger. Miracle de la vie de l'homme.
Mon ami, vous allez bien? La tête est pour vous. Viens ce programme. Tu as fatigué de fumer la cigarette. Viens ce programme. Tu as fatigué de prendre l'alcool. Viens ce programme. Tu as mis tout ton argent dans la cigarette. Tu as mis ton argent dans la bière. Tu as mis tout ton argent dans l'alcool. Et tu es devenu pauvre. Et tu attends que la mort. Oh mon frère. Viens ce programme. Ce programme est pour toi. Ce programme est pour toi. Toi qui as fait des pactes avec Satan. Et Satan te menace. Et te menace. Et tu sens la mort. Viens ce programme. Viens ce programme. Ce programme, c'est ce soir. Oui, papa, bonjour, bonjour. Jésus vous aime, Jésus vous aime. C'est descendu avec sa puissance pour libérer ce peuple, pour libérer ses enfants. C'est mon problème. Je sais que tu as un problème. Je sais que tu as une situation. Je sais que tu traverses des situations difficiles. Mais Jésus est venu avec la solution. Cherchez la solution. Tu n'as pas besoin de poulet. Tu n'as pas besoin de cola. Tu n'as pas besoin de mouton. Tout ce que t'a dit Jésus, je t'assois dans mon cœur. Dans mon cœur. Oh, mon bien-aimé. Bien, mon bien-aimé. Jésus te fait la main. Tu peux tout faire. Tu peux tous les médicaments. Tu
peux pas tous les sacrifices. Tu vas mourir. Et bien, il n'y a pas un rendez-vous. Ah, regarde, rendez-vous. C'est un rendez-vous. Allez, ah, ah, rendez-vous. Ceux qui vivent. Ah, bien, le problème, ce n'est pas la mort. Mais il y a un alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas la mort. Mais il y a un Que tu as fait le choix. Il y a un de la Il y a un peu la belle en plein.
créé. Mais le contre le nez, tu l'enfer. Dans le paradis, tu dois choisir la destination de ton âme. Soit tu choisis pour le faire. Le choix de l'enfer est passé. Voilà un enfer, c'est passé. Voilà un enfer. Il faut fumer la cigarette. Voilà un enfer. Il faut boire la bière. Voilà un enfer. Il faut tuer les gens. Voilà un enfer. Il ne faut pas pratiquer la sorcellerie. Voilà un enfer. Il ne faut pas pratiquer la sorcellerie. Voilà un enfer. Ouais, continue de regarder.
Continue de regarder la porte de ta fille. Continue de regarder. Le temps de la paix c'est maintenant. Jetez vos idoles. Cassez vos statues. Détruisez vos chapelets. Les chapelets conduisent à l'enfer. Je n'ai pas su. Ce serait trop tard. Après le marché, il y a aussi un autre marché. Ce qui t'amène au paradis. Le marché qui t'amène en enfer. Il y a ce marché. Pour tout le monde, c'est pas préparé. Commence à préparer ce marché. Commence à préparer l'enfer ou le paradis. C'est pourquoi je t'invite à préparer le paradis. Regarde tous ces fétiches. Regarde tous ces cliquets. Regarde le nombre de marabouts. Oh,
Je suis pour te dire la vérité. Je suis pour te dire la vérité. Si tu es allé chez le marabout, le moment est venu de te repentir, de te demander pardon. Dis Seigneur, je ne savais pas. Oh, je suis allé chez le marabout. Mal. Malade. Ça n'allait pas, mon enfant était malade. Et je l'ai appelé chez le marabout. Il m'a donné des savons de sens. Il m'a donné des choses. Adam, j'ai adoré comme de femme Adam. Voilà, et n'est-ce pas, Adam?
Tu mets les pelles de poussière.
Le retour de Jésus est évident. Jésus, mon frère, tu t'aimes.
Comment tu prépares le refus de Jésus? Est-ce que tu sais qu'après la mort, il y a une autre vie qui t'attend? Après ce que tu penses là? Après la mort, Je ne sais pas si tu es bloqué. Dis mon fils, je veux te faire sortir. Je veux te libérer. Je suis venu ce matin. J'ai écouté ton cœur. Je sais que tu souffres. Je sais que tu souffres. C'est pourquoi je t'appelle ce matin. Tu dois prendre la décision d'écouter ma voix. Est-ce que tu vas l'écouter? Il t'appelle. Il va te libérer. Tu es fatigué. Il dit, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé. Je vous donne le libérer. Parfois tu sors un jour et tu ne trouves rien. Tu dis demain sera meilleur. Demain vient, ça ne change pas. Demain sera meilleur. Demain encore plus, ça ne change pas. Aujourd'hui, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. C'est pourquoi je te dis la vérité. Je t'ai confirmé quelque chose. Le Seigneur veut te libérer ce soir. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire sortir de la situation. C'est fini pour toi. Tu dois prendre la décision. Je te fais. Seigneur Jésus, je prie. Il a écouté ta voix. Tu connais son foi, tu connais la situation qu'il traverse, Seigneur. Il est fatigué. Le moment est venu, tu vas le libérer de cette prison. Et tu vas la mettre dans sa destinée. Alors je déclare maintenant que ta main puissante descend dans sa vie pour briser les chaînes de famille, les chaînes de sorcellerie qui l'ont lié, qui l'ont condamné. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Maman, les temps sont finis. Maman, les temps sont finis. En fait, nous vendons les piments. Ce jour va venir. Mais je veux te dire, pendant que tu es là, prépare ce jour-là. Prépare ce jour-là. Prépare ce jour-là. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Toi qui es là, accueille la paix du mal. Toi qui es là, accueille arraché le mari. Et tu as essayé, tu as voir le féticheur. Tu as voir le marabout. Pourquoi tu as cherché Dieu? Pourquoi Dieu est dans sa main dans ta vie? Tu allais te venger toi? Dieu dit à moi la vengeance. Ouais, à moi
Je suis fatigué, n'est-ce pas? Eh oui, il y a un peu de temps. Et comment?
Tu as tout fait. Et l'argent ne va pas rester. L'argent ne va pas rester. Il y a d'autres personnes qui prennent l'argent. Qu'est-ce que tu fais d'autres personnes qui prennent ça? Aujourd'hui, Jésus va vous parler. C'est ça la pression, le sacrifice. Ça va quand tu reçois de l'argent. Ce que tu as fait, tu as pris
l'alcool. Tu es possédé. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Regardez tous les jeunes. Chacun a une bague en main. Chacun va voir son maracou pour une bague. Pour attirer l'argent. Et donc, ta bague attire l'argent. Ton âme est attirée par l'enfer. Ton âme est attirée par le feu. Tu vas rendre compte.
Devant toi, il y a une éternité, il y a un temps qui ne finit jamais. C'est pourquoi le moment est venu de te répartir. Nous savons qu'un programme ce soir, un programme de prière, un programme de prière de délivrance. Au niveau du petit marché, venez le bon. Vous cherchez votre guérison. Vous cherchez la libération. Maintenant, ça dit. Le retour de Jésus est venu. Le retour de Jésus est venu. Maintenant, le tribu d'après ça. Jésus va te sauver. Jésus est le seul chemin. Jésus va périr contre nous. Nom de Jésus, tu l'as délivré. Jésus-Christ, il n'y a pas un sacrifice à faire. C'est pourquoi Jésus est le seul Dieu. Dieu peut te sauver juste par son nom. Non, le nom de ce Dieu, il va te sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il est saint, il a ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert.
ta mort, elles vont souffrir pour entendre Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui ont rejeté Jésus sur la terre vont pleurer ce jour-là. Ils vont pleurer. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que tu marches, pendant que tu manges, pendant que tu te réveilles, tu marches, tu dois prendre la décision de choisir la destination de ton âme. Parce que si tu meurs et que tu ne peux pas prendre la destination de ton âme, c'est là les hommes de Dieu ont perdu son âme. Mais ils vont ensuite faire pour toi. La peur pour ton âme, c'est maintenant. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans votre vie. Nous avons un programme ce soir, un programme de prière, un programme de délivrance. Toi qui es animé d'esprit de Marie, de lui, viens à ce programme. Dieu va te libérer. Jésus va te libérer. Toi qui es allé chez le marabout, toi qui as couché avec le marabout, tu as couché avec le diable. Viens, va briser la part que tu seras libéré. Beaucoup de femmes couchent avec le marabout pour avoir le pouvoir de séduction. Beaucoup de femmes couchent avec le marabout. Pousse avec les féticheurs. Pousse avec les maris. Ma soeur, quand tu couches avec les maris, tu as couché avec le diable. Tu avais pas avec le diable. Tu avais rentré dans ta vie. Tous les serpents que tu vas faire, le diable va les contrôler. C'est pourquoi. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus
amène des nouveautés sur la terre. Et les jeunes sont devenus des rebelles. Les abominables. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu demeures dans ce filet, à ta mort, tu seras en enfer. À ta mort, tu seras en enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Ni le jugement, ni le sultan ne peut pas te sauver. Ni le
Dieu envoie un petit de profit. Le cœur ne peut pas te sauver. Le citoyen ne peut pas sauver les idolâtres. Le citoyen ne sauvera pas les idolâtres. Le citoyen ne sauvera pas les idolâtres. Mais le citoyen est un des citoyens qui va te sauver. Le citoyen ne sauvera pas les idolâtres. Mais si tu ne crois pas à la parole de Dieu aujourd'hui, si tu ne sais pas Jésus, tu seras face à un jugement. Je suis allé au ciel. Jésus a été à la croix pour toi. Il a été crucifié à la croix pour toi. Aujourd'hui, plusieurs disent qu'ils cherchent Dieu, marcher avec Dieu, mais ne le connaissent pas en réalité. Je sais que dès que je vous ai vu, j'ai vu que vous cherchez Dieu. J'ai vu que vous aimez vraiment Dieu. Mais vous n'aimez pas Dieu. Ah, c'est pourquoi nous avons envoyé ici, nous donner une lettre d'invitation. Nous sommes venus en croisade. Nous avons quitté le Bénin spécialement pour une croisade. Pour parler de la part de Dieu, pour évangéliser, pour prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle le salue en Jésus-Christ. C'est la repentance. C'est le message qui doit nous conduire à la crainte de Dieu. Parce que Jésus revient. Jésus revient, mais le monde est dans la distraction. Le monde est dans la distraction. Le monde ne connaît pas que Jésus est à la porte. Et Jésus, nous savons que Jésus est celui que Dieu a donné pour aller à la croix, pour sauver les hommes de leurs péchés. Et c'est ce Jésus qui revient. Il revient pour faire quoi? Il revient pour nous chercher, pour nous amener dans la place où il nous a amenés et transportés. Alléluia, nous t'invitons. Donnez-lui l'invitation. Donnez-lui l'invitation. Nous vous invitons pour la croisade de ce soir. Venez si vous avez des problèmes, venez. Venez écouter la bonne parole, venez écouter l'évangile, venez écouter la vérité. Alléluia. Amen. Jésus t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La tempête est en train de sonner. Que personne ne reste en arrière. Nous t'invitons la croisade. Il y a une grande croisade qui s'organise à Lola. Une grande croisade à Lola. Nous t'invitons. Viens expérimenter la puissance. Viens expérimenter le réveil. Viens voir Jésus. Tu as parlé de Jésus. Et il est temps que tu connaisses bien Jésus. Il est temps que tu crois Jésus. Jésus se démontre. Jésus se manifeste. Pas des miracles. Pas des signes. Pas des, 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 pas
voir des prodiges. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Et maintenant, commence à t'engager. Entends l'évangile. Entends vous n'avez pas le bon devoir de servir d'idole. Vous devez servir le Dieu créateur. Dieu te connaît. C'est pourquoi il t'invite à cette croisade. Il t'invite à goûter à la parole. Il est temps pour de vous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus. Alléluia. Donnez-nous, s'il vous plaît, mes guéris, programme à 17h. Programme Kana. Programme Kana. Programme Kana, s'il vous plaît, mais. Dans l'opin, le programme à 17h. Donc, je vais vous dire à vos campagnes. Pas de pas. Emma, que vous avez un détail. Emma, que vous avez une famille. Pour le tenir de pas, ni en quoi on a dit, malgré ma lettre, il y a des mais pas le droit au vire, 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 pas Église qui n'a pas gagné. Donc, de l'ONU, Catholiabo, Kappa, programme à Tringa, il est le programme à 17h. Donc, on a un Toliabo, Bagepa, oh, et par Mundana. Bagepa, oh, et le Lugundana. Bagepa, oh, et Nangana. Né à Gaël, et je promets, pour on a gagné, il est né à Nabo, Moula, au commandant, au bout de l'église, à Mingo, qui est du moyen, on a, oh, 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 Je veux parler. Alléluia, shalom, shalom. D'abord, nous vous avez consacré pour la situation du terrain. C'est pas facile. C'est pas facile de communiquer le message du Christ en ce moment. Vous voyez, tout l'environnement est totalement difficile. Vous voyez, l'environnement de l'islam vraiment s'est installé. Vous allez constater que ici, c'est pas la première fois, hein. Je n'ai pas encore vu, c'est sûr que dans d'autres pays arabes, je dirais ça. Je vois des, comme des méga choses qu'on voit dans les pays anglophones, le Nigeria, dans les pays de l'Afrique. Des méga choses, des églises de 3 000 personnes, 6 000 personnes. Moi, j'ai vu des méga mosquées dans ces pays. Alléluia. C'est pas possible. Ça veut dire que vraiment, cette région a besoin de la bonne nouvelle de Christ. Vous voyez, c'est tout cela, mais je pense qu'il est sauvé. Mais quand le prêche Jésus, il s'étonne.
il ne veut pas entendre, il ne veut pas écouter. D'autres même mettre des choses là, pour rappeler leur voix noire là. Hein, on ne leur parle pas. Vraiment. Mais nous, nous sommes déterminés à prêcher la bonne nouvelle et tout ce qu'il faut pour que les âmes qui sont préparées pour le ciel soient devenues le feu. C'est pourquoi nous sommes venus annoncer. Le but de cette évangélisation, c'est d'éviter les uns les autres à la croisade de ce soir. Alléluia. On sait pourquoi nous sommes sortis. C'est vrai, il n'y a pas de repos sur le terrain. Nous n'avons pas le droit au repos parce que le travail est tellement immense. Nous savons que le Seigneur nous donne toujours la force. Donc nous allons repartir la radio. Nous allons continuer. Et tout à l'heure, pendant 17h, nous allons ouvrir le programme de croisade avec Ben. Nous allons laisser produire par le Seigneur Jésus. Il y a de grandes choses. Vous qui nous suivez, vous qui participez à ce programme de Ben. Que le Seigneur demande au Père puissant, que son nom soit connu de cette région de l'âme. Parce que l'âme est la dernière étape de la conscience de l'âme. Après l'âme, nous allons quitter tout à l'heure, nous allons aller au Libéria. Le Libéria, c'est le Libéria, c'est le Libéria, c'est le Libéria, c'est le Libéria. Je suis toujours venu à la maison. 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 Je suis touj